Et salut à toi à tous, c'est Otto aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 21, 22, 23, j'en sais rien. À chaque fois, de toute manière, de Ori and the Blind Forest. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On s'était arrêté donc ici, sur le mont Oru. Ah oui, on se faisait tirer dessus dans tous les sens, c'était assez dur, donc on va essayer de se refaire. Ça va être très dur. Non. Ça a marché. Merde, j'en ai tué deux. Bon, voilà. Meurs, s'il te plaît, et voilà. Comme c'est quoi un petit. Voilà. Un petit moment de répit. Donc, on va aller vers la droite, évidemment. On dit qu'il luttait contre les flammes d'eau. Celui de revoir son enfant. Ok. On va placer un point de sauvegarde. Ah ouais, je dois pouvoir descendre. Ah. Ah, ok. Ah! Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être embêtant. Ok, maintenant on peut se faire tomber. Voilà. Merde. Je vais voir là. Ah, nickel! On a un truc. Une pierre de fragment de carte, on pourra le ramener. Arrière pour avoir la carte. Alors est-ce qu'on le fait? On va le faire. Ah merde. J'ai pas réussi à monter. Monte. On va essayer quand même d'améliorer. J'arrivais pas à monter plus haut. Ah. En bas. Je
monde à tes pieds. Ok, donc quand on aura enlevé la lave en fusion, on aura accès à des nouvelles zones. J'ai bien fait de l'activer parce que du coup ça prend en compte aussi la... Voilà. Oh là là, dur d'esquiver ça. Et ces rochers semblent instables grâce à ma lumière. Pourront peut-être nous en servir pour empêcher la lave de se répandre. Intéressant. Oui, du coup, ça coûte. Ça coupe les coulées de live. Ça va être au centre qu'il y aura tout truc. Alors par contre, comment il manque une seule orbe de mana. Pour moi c'est du mana. Regardez vite fait où est-ce qu'elle est, parce que je dois... Normalement je dois savoir où elle est, je ne sais pas. Là, il y a une cellule de vie. Cellule de vitalité plutôt. Il faudra que j'aille chercher. Hein. Mais je le ferai pas en vidéo je pense. Ah elle est là, donc je l'aurai jamais. Bah c'est pas grave. La lave est descendue, quand même. Quand même un point à remarquer, la lave est descendue. Et donc on va remonter. Ouais, j'aurais pu remonter plus tard, bien sûr. Trop vite. Voilà, nickel. Donc là, maintenant. Oui, c'est vrai que ça pique. Laissez-moi tranquille. Je vais juste sauvegarder. Non mais ah, arrête. Arrête. Ah là là, il est chiant celui-là. Lâche pas. Fais un point. Bah attends, faut vraiment que je me régène parce qu'avec si peu de vie, je ne pourrais pas faire grand chose. Vraiment désolé, hein, mais... Cinq secondes à peu près de cooldown. Non, mais peut-être plus, peut-être 10. Non, 5. Voilà, ça suffit.
Voilà. Donc, la porte est en dessous, donc il va falloir descendre. Allez. Cool. Non. Saute. C'est parti. Fallait bien le buter. Non, non. Tire. Tire. Tirez. Aïe, aïe, c'est les piques. Aïe. Non. Mort. Une énergie débordante. Bon, j'ai pas compris comment il était mort, mais c'est pas... Non, comment je monte ? Ah non, je pense qu'il faut que je les tue. Ça, fallait que je les tue. Et voilà. Ça serait pour mettre tous les deux là. Et du coup, on va retourner en arrière. On va évidemment faire des points de sauvegarde parce que la vie que j'ai est... Allez, allez. Regarde, parce que j'ai vraiment pas dû d'abord avoir plein de points de sauvegarde. Ah. On va y aller, je sais pas où c'est. On va juste en bas. Non, on va attendre. Et de le neutraliser. Meurs. Voilà. C'est moi, monsieur, merci. Allez, c'est parti. Maintenant. Maintenant, on a tout ça. Je pense qu'il y a des énigmes dans tout, en fait. Des trucs bizarres. Clique. Que si. Passer par là. C'est juste des obstacles et...
Allez, vas-y. J'aimerais bien placer un point de sauvegarde parce que je sais que je vais mourir en fait. Je ne peux pas. Voilà, voilà. Ah putain. S'il te plaît. Regarde. Voilà ce que c'est. Aïe aïe. Ah mais y a un mob. Mais il était où? On le voit plus? Ah, je vois, d'accord. Ça ne fait pas. Ah, ça y est, il s'est remis dans sa zone secrète. Là-bas? Non, non, d'accord, le. Bug, c'est. Hey. Hein? Oh, non, il y a vraiment rien. Ça c'est basique hein. Hop. Bon. Ouais c'est dur. Ah mais. Ah. Très rapidement. Un peu. Non, non. Te plaît. Mais la musique. Je crois que j'avais dit que je musique. Ça va être très dur. Et on va se concentrer un petit peu. J'ai dire parce que je parie qu'il s'arrête pas, mais non, non. Il s'arrête. Ah, en plus, il me tire dessus. Oh, là, là. Non, c'est il me tire pas dessus. C'est le seul qui me tire dessus. Ouais. Donc là, on peut monter à gauche ou à droite. On va monter à gauche. C'est intéressant. Ouais. Finir cette zone. Longuement sur RT pour déplacer. Évidemment pas. J'ai 2 points de compétence donc je peux ultra écrasement. Augmente la zone d'impact et les dégâts de la compétence écrasée. Et ben je vais. Après ça sera... permet de lancer la flamme spirituelle plus rapidement. Flamme rapide. Ok. Hop. Voilà. Évidemment ça va être couper la lave. Hein. On peut s'accéder à une nouvelle partie. D'ailleurs.
vraiment pour couper à l'aventure. Voilà, on va redescendre. Bon, là-haut. Pas tranquille hein, cette bestiole là. Enfin, point de ce. Eh, laissez-moi. Revenons là. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche prochain pour l'épisode suivant. Donc, peut-être l'épisode 22, je sais pas du tout à quel chiffre on en est. On se retrouve aussi mercredi pour l'épisode 21, je crois, de Life is Strange. Et sinon, on se retrouve lundi, mercredi et vendredi pour mes lives le soir à partir de 20h la plupart du temps. Alors, ça pourrait varier des fois, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est à 20h. Je reviendrai de toute façon sur Twitter si ça change. Et puis voilà, sur ce, ben, portez-vous bien d'ici là et puis ben, à plus.